Là, je tombe des nues, je suis sous le choc, je suis bien sûr que derrière mon équipe et à la fois, vous savez, ce sont des faits relatés qui se sont passés au tennis club de Sarcelles. Évidemment, lorsqu'on a appris cette affaire, on sait pas, on est sous le choc, quoi. Je suis père de famille, je suis bien sûr avec toute mon amitié va aux parents, va aux personnes concernées dans cette situation et c'est très compliqué. Et laissons faire la justice, laissons faire la police, elle est en train de faire son enquête et prendre les décisions nécessaires. Je pense qu'il y a un problème dans le sport en général. Je pense qu'il est vrai qu'il y a des personnes, entre guillemets, bien sûr, il faut mettre ça entre guillemets, des prédateurs, des gens qui sont malades, des gens qui ont besoin d'être soignés. Malheureusement, nous avons deux affaires dans le tennis, mais il y en a peut-être, malheureusement, peut-être d'autres dans d'autres sports. Et il faut faire attention. Il faut aujourd'hui faire de la prévention, dire aux gens qui sont malheureusement, peut-être ils parlent parfois trop tard, vous voyez aujourd'hui que ça fait une dizaine d'années, au contraire d'être plus près d'eux, de pouvoir discuter, de pouvoir apporter quelque chose, de pouvoir avoir un réconfort et non pas être comme on est tous aujourd'hui atterrés et choqués par cette situation.